Salut YouTube, bienvenue sur Total Rome Remastered. On va continuer notre campagne courte avec la Germanie qui avait démarré sur des chapeaux de roue assez intéressants. On avait fait une blitzkrieg, littéralement. On s'est emparé de beaucoup de villes, on avait récupéré donc Bordelsom, Vicus Guti, Samorobriva aux mains des Bretons. On était chez Vitus Guti ainsi que le Domus Lucis Domus dans les steppes de Russie. Voilà. Donc là on est en train de continuer, donc on a une armée qui est là en position, qui se repose un peu. On va essayer de voir aussi pour aller chercher le site avec cette armée, soit par là comme ça. Et le deuxième, la deuxième armée qui va s'occuper des DAS, puis remonter vers les sites dans les steppes. Ça pourrait être un plan. Donc voilà un petit peu le programme. Tiens, les Gaulois y reviennent en masse. Ah là là, quelle horreur ces Gaulois. Bon, là c'est que des régiments. À un tour, je pouvais les rejoindre. Hein. Là, ce serait du 1 contre 3. Donc je vais attendre un petit peu. Donc lui là il est parti, il a laissé deux unités toutes seules, quelle erreur. On va essayer d'en profiter. Et on a un espion qu'on va tenter d'envoyer là-bas. Qu'est-ce qu'il a de beau à l'intérieur? Il a rien. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Là je vais faire quoi? Des murs. Et l'hôtel de Freya, je le virerai dès que possible, je ferai l'hôtel de Wutan pour nous aider. Et j'ai envoyé cette armée de renfort. Ah bah, il s'est fait repousser le pauvre gars. Alors, Ariflus, t'es où? T'es là-bas, ok. Tu vas garder la ville le temps 2. Oh, là, je vais tenter un truc. C'est assez couillu, mais ça peut le faire. Ils sont 6 unités, ouais, ça va être chaud quand même, mais pourquoi pas, on va le tenter. Je vais tenter de faire une défense de coin comme je l'avais fait. Donc là, le but, ça va être de faire une défense de coin avec 2 unités. Et là on a nos renforts aussi. Comme on m'a dit souvent, au coin monsieur von Karstein. Hein. Ah oui, c'est moi qui attaque, je suis con. Bon, c'est pas grave, on va essayer de rectifier ça. Ils ont des détachements, donc c'est pas non plus l'infanterie du siècle non plus, hein, on va pas se le cacher. Alors je vais juste me mettre en position là. J'attends de me reformer. Alors, on va juste attendre qu'il se calme un peu, on surveille. On est plus nombreux tôt, mais on nous donne peur d'or, hein. C'est ouf. Chauffer. Unité, unité,
Alors, on va faire gaffe qu'il n'y a pas une unité ou deux qui nous surgissent comme ça. On serait tellement mal. Oh, ils ont l'air d'avoir peur comme ça. Bah alors, on évite le combat, les mecs? C'est bien nos lignes tiennent. Oh, le gros de la ligne a cédé là, ça c'est une bonne nouvelle. On va pousser notre avantage sur leur général. Alors c'est quoi qui se reforme là? Attention, surveille. Alors attends, il y a une unité qui s'est reformée, j'ai pas vu où. Bah en vrai, hein, une fois que tu joues les piquets de face, tu crains rien quoi quasiment. La victoire est la récompense des... Allez, un sixième en défense. Et là, il n'y a rien qui passe. Oh, on peut recruter des choses intéressantes. Des mercenaires sarmates en cavalerie, j'avoue, ce sera un beau plus. Oh, attends. Il a ouvert les portes, lui. Alors ça me coûterait de l'argent, mais pourquoi pas. Bon, là on va pas s'embêter. On va la faire quand même. Hein. Ils ont quand même l'un de nos ennemis héréditaires, les DAS. On va essayer d'aller le pulvériser un peu, quoi. Ils ont ouvert les portes, ça c'est très bien. Par contre, ils vont avoir leurs archers qui vont être lourds. Je vais tenter d'aller les chercher vite fait. Et avec les piquets, je vais essayer de tenir comme ça la ligne. Vous pouvez le faire en 2023, cette bataille. Oula, attention. Allez, je tente une grosse charge là-dedans. Hop. Allez, go, 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 cours, 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 cours. Attention. Mais pourquoi? Ah, le pafading de le jeu du foie, sérieux. Ils vont s'empaler. Allez, on termine. Je vais tenter d'asservir, allez. Je vais laisser ces deux là, je partirai avec le reste. Donc on s'est emparé de la communauté. Alors mon agent là,
Je crois qu'il y a une ville ici. J'ai réparé le mur. Donc là, c'est juste un général classique. On va se poser. Puissions-nous mettre fort? Tu veux un cessez-le-feu? Je vais l'accepter. Par contre, je vais te demander du pognon. Allez. Au revoir. Merde, j'ai loupé le truc. J'ai loupé la manip. Bon, tant pis. Ok, le campus Yazig est ici. Oh, attention. Ils ont des faucheurs. Ok, très bien. Il n'y a pas assez de pop, c'est ça? On voit une cavalerie sarmate en plus, j'ai envie de vous dire oui. Hein. Allez, on va se mettre en route avec cette armée. Oh, attends, ça a l'air d'être encore rebelle dans le coin. Alors, il me semble que les Dasseux, c'est des généraux à cheval. Oui, ce sont des seigneurs de guerre barbares aussi, ok. Donc là, on a le campus d'Yazig et le Porosium qui nous attend. Si on fait un carnage assez puissant, on peut se mettre bien, quoi. Bon, en général, les Das, les faucheurs Das, ils passeront pas le mur de pique. Hein. Moi, j'ai loupé une info depuis, mais je pense pas. Ok. Donc là, je peux toujours pas les reformer, eux. Par contre, cette cavalerie, je vais la virer. Elle me coûte trop cher. Et j'ai envoyé des renforts vers le sud-est. Comme ça, on commencera à taper. Évidemment. Oh, putain. Ah là, c'est un général tout seul en plus. Ou l'erreur qui peut coûter cher. Bien caché. Ah, ils veulent m'attaquer, c'est qu'ils sont sûrs de leur force. Ils ont deux généraux, ok. En vrai, on peut peut-être se débarrasser de cette armée si on joue bien le coup. Alors, la cavalerie, j'ai tout de suite la cachée. Qui m'ont vu?
à vos ordres. Soyez sur vos gardes. Allez, allez. Je vais pas trop bouger ma cage, je vais attendre que... Alors je me mouche un peu, excusez-moi. Alors, où sont leurs faucheurs? Ils sont là, je suppose. Normalement, ils devraient pas passer mes piquets. Hein. Alors là, je suis sur le cul si c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent? Alors, c'est eux qui m'attaquent, hein, je rappelle. Alors. Bon. On va essayer de voir comment ils réagissent. Alors, ça va venir ou pas? Allez, allez! Détachement de piquet. En bas de course! Oh, ça y est, ça commence à mourir. Détachement de piquet. Allez, allez! Par contre, j'ai envoyé les barbares en support là parce que les faucheurs ils sont en train de déborder. Allez, venez vous jeter, c'est bien dans la gueule du loup. Je vais peut-être rajouter un deuxième rang. Waouh. Allez, on va les déboîter. Allez, on les massacre. Ah bah moi non plus, Momon, écoute, j'en apprends. Une chose est sûre, les deux généraux ne reviendront pas. Au moins, tu vois que l'IA, elle sait s'adapter. Ça, c'est bien. Bon, par contre, là, je suis un peu embêté. Faut peut-être que je me rameute avec mes renforts. Là je peux rien refaire de plus. Général. Un deuxième barbare sera pas de refus ici. En position de siège. Oh non, pas des chiens. Oh. Je hais les chiens. Bon là on va essayer de continuer, on va faire agrandir Trier, une grande ville. Alors attends, je vais reformer une garnison là et ensuite je vais partir avec cette arme en renfort. Et avec eux, on va partir vers là, par là. On va essayer d'amener des renforts au... Hop, et vous? Vous allez me les trucider, merci. Et hop, garnison. J'ajoute un deuxième piquet, comme ça on aura une défense.
Et là, dès que possible, j'ajoute un autre piqué. Bien. Le seul mouvement autonome de l'aise, c'est que quand elle sortait, c'était quoi? Elle sortait quand je faisais le siège. Ouais, bon. Je vais juste faire un test pour voir si ça passe ou pas en auto. Ouais, ok. J'aime bien, hein. 70-30. Hein. Ça passe pas. On a vu que les piquets germains, ils résistent pas face au... C'est en fait, ce qui me fait mal, c'est qu'ils vont faire mal, c'est leur chien, quoi. Voilà. On est tranquille pour le moment. Il nous reste 4 colonies à aller chercher. Bon, c'est trompeur, hein, parce que bon, après on a les sites. On va regarder un petit peu où ils en sont. Ok, les sites ont 5 territoires. Ils sont en guerre avec personne, sinon c'est pas drôle. Comme tu peux voir, les devs veulent des crânes en sans auto, ouais. Alors, 5 colonies pour les sites, je pense qu'ils ont donc le campus city au début, ils doivent avoir le camp, la ville là-bas ça fait 2, 3, 4, peut-être une autre ville là ça ferait 5. Écoute, on continue d'assiéger, hein. Oh, ils sont en train d'assembler une grosse, grosse armée là-bas. On va être prudent. On va reformer le piquet là en route. Alors, toi, tu voudrais quoi? Qu'est-ce que tu veux? Puissions-nous parler de manière raisonnable. Ok, mais tu me donnes du pognon. Très bien. Voilà, on récupère 5000. Ce qui est pas dégueulasse. Et je vais récupérer ce piqué en route. Et là, on va essayer de développer un peu nos infrastructures. Voilà. Balance un diplôme, ouais. Alors attends, j'en ai un. Bah justement, en fait, celui-là, j'attends de... Je vais le libérer après. Je vais l'envoyer par là. Ah, il sort. Eh bah écoute. Viens faire face à ton test. Allez, go. Alors, je sais plus si les chiens ils passent en dessous des... Bon, ils vont s'empaler, c'est bien.
Ouais, les chiens sont pâles, c'est une bonne nouvelle. C'est bien, les chiens ne reviendront pas là. On va reculer. Alors, il est où leur chef? Il est là, le chef. Là, on va le flanquer complètement. Et là, on va rajouter toute la pression. Parfait. Ouais, le roi d'As, là, il est passé de vie à trépas. Voilà, cette fois, ma caméra, elle bug pas, ça fait plaisir. On va juste asservir. Qu'est-ce que tu veux, le site? Salutations. Ok. De toute façon, tu vas me trahir tôt ou tard, donc je vais te demander 4000. Seriez-vous prêt à envisager? Et on saura où sont nos ennemis pour plus tard. Alors, ça donne quoi? D'accord. Ok, ils ont encore... Donc, ils ont toute leur colonie de base. On sait que Campus Sarma est là-bas. Maintenant, donc on sait où frapper. Je sais qu'il y a encore une ville rebelle dans le coin. Ah putain, il s'est fait avoir. Et on pourra former de la cavalerie. La cavalerie, si ça, ça me plaît. Alors, est-ce qu'on partirait sur les archers? On va partir sur des archers. Et on va essayer de former de la cavalerie. Ouais, on va faire ça. La deuxième armée, elle arrive. Donc ça, c'est bien. Il n'y aura pas trop d'écart. Donc là, tout se passe comme accordé au plan. Puissions-nous mettre fin? Ah non, 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 non. Tu ne seras pas mon protectorat, toi. Alors, par contre... Alors, ils ont fait combien de béliers? On peut pas le voir. Ils en ont pas encore fait, ça va. Là, on a... Hop. On va essayer de former, alors... Outan, des routes. À Issus, ça m'intéresse pas. Là, on voit qu'il y a encore le bourdin quincou qu'on pourrait aller chercher. Ok, donc on a 6 et 2, 8 et 2, 9. On va reformer de la cave en plus. Alors, on est à 9 contre 9. Ça nous donnera un peu plus de mobilité comme ça par rapport à eux. Oh, il n'y a qu'un archer à gérer en fait, ça va. Ok. Très bien. Et là, j'ai plein de généraux. Ok. Comme ça, j'en ai emmené deux là-bas. Ils vont commencer à taper sur les sites. Ok, on a le plan de jeu pour terminer la campagne.
Alors, je comprends pas pourquoi ils ont voulu séparer leurs armées, mais soit. Oh putain, la forêt, je... Alors, on va essayer de les provoquer un peu, nos ennemis. Par là, on a un petit peu de cavalerie, on va essayer de la planquer par là. Alors, on va essayer d'étirer au mieux nos lignes. Ah, ils envoient leur général? Attends, est-ce que tu es sérieux? T'envoies ton général mourir? Oh, là, ils l'ont isolé, ça, c'était pas très prudent, ça, perso. C'est quoi ça? Parfait. Ah, ils se replient tous, sérieusement? Bon, bah s'ils se replient tous, on y va, hein. Allez, on va essayer de dégager tous leurs faucheurs pour être sûr. J'ai pas compris, mais bon, bref, on va l'accepter, on va le prendre. Ce n'est plus une bataille, c'est une chasse à l'homme. Non, une chasse aux lâches. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi ils sont repliés à ce moment-là? On a anéanti une cavalerie, on a anéanti plein de faucheurs. Ah va. Je surveille un peu l'armée qu'ils ont. Bon, ils ont plus grand chose. Mais prudence. J'essaie de négocier un truc avec les traces pour essayer de passer comme ça. Ils reviennent seuls, ils n'ont pas compris la leçon, je crois. On va laisser venir, hein, si ça les amuse. Ah, ils viennent, c'est bien. Donc ce qui va être chiant, c'est juste leur tireur, mais le reste c'est gérable. J'espère qu'ils sont pas trop de béliers. Alors, oh, ils ont deux béliers, attention. Alors, on va mettre deux unités. Oh, je sais comment on va faire la défense. On va pas s'embêter. Ils vont tous tenter de passer par la porte, ça c'est sûr. On va rester comme ça, je vais voir où ils vont mettre la... Ok. On va resserrer. Allez, allez,
Oh, ils vont faire mal comme ça. Oh, joli. Nous sommes attaqués. C'est un désastre. L'ennemi a fait céder nos murs. Repoussons-les. Oh. Bon, bah ça c'est fait, hein. Les enregolos, ça fait le stack, c'est ça. Non, 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 mais pourquoi? Je vous ai jamais dit de poursuivre, faut vous calmer, là. Putain, ils vont foutre en l'air ma défense, c'est ça. Bon, bah là, ça a bien tenu, je suis content. Et là, ça va être... Au revoir, merci d'être passé. Des bisous. Je sais pas pourquoi ils sont venus, bon bref, je vais pas me plaindre. Et le pire c'est que je l'ai activé Momon. Hein. Ouais, oh là ça pousse en masse à trieur. Bon les golos, vous êtes sûrs hein, derrière, un deuxième. Ah, ça y est, les bretons ils reviennent en masse. Alors attends. Parfait. Allez, j'ai amélioré ça. Là, j'essaie de commencer à améliorer mes troupes aussi. J'essaie de faire des renforts. Parce que là, si tout derrière ça tombe, ça va être très compliqué à gérer. Voilà. Essayez de vous jouer de nous. J'essaie de lui demander un accès militaire, ses infos et les miennes. Seriez-vous prêt à envisager? Bon bah écoute hein. Tous nos remerciements. On va essayer d'aller chercher le site après ça. L'économie gaulleuse connaît une bonne croissance, ouais j'avoue. Ah, tiens, ça revient. Admettons que je sorte, ça donnerait quoi? Bon, ils ont deux généraux, ils ont de la cavalerie. Ouais, ok. Fine. On va les laisser mourir petit à petit. On a le temps, on est bien. Et là, par contre, avec eux, je vais partir là-bas. Oh, je commence à perdre des sous, ça pue. Comment ça se fait? Ça va, on est remonté en positif. Je vais voir si on peut les dégager en auto. Ok, on a réussi. Et eux, je vais essayer de les emmener chercher la ville d'ici. Et ensuite, je commencerai à tracer avec les... Dès que les armées seront là, on se met en route pour le campus et on récupère tout.
Ah, ils viennent, c'est bien. Approchez. Fais des tours le long des côtes, ouais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors, oh putain, ils ont trois béliers cette fois. Oh, que ça va être compliqué à tenir. Deux, on peut gérer, donc un sur la porte et un de chaque côté. Détachement de piquier. Détachement de piquier. Dépêchez-vous, piquier. Unité. Unité en vite. Piquier, piquier. Allez, allez. Détachement de piquier. Je vais essayer de tenter sur jouer un truc sur la masse d'entité. Alors je sais pas si ça va passer, mais pourquoi pas. Allez, on y va, on les laisse venir. Le mur de la manche, c'est ça. Avant l'heure. Bon, là-bas, ils vont prendre des pertes, c'est bien. Laissez la tour faire. Ils auront des tireurs qui sont là, ok. L'ennemi a pris nos murs. Allez, go. On les piquer là, hop, ils vont gérer la cave. C'est un désastre. L'ennemi a fait céder nos murs. Repoussons-les. Bon, ça a l'air de tenir pour l'instant. Donc là, la plupart des unités craquent. Il y a déjà... Oh, attends. On va tenter de percer là. Non, t'es sérieux, jeu? Quelle salope. On essaie de se reformer pour un baroud d'honneur. Oh, attends. Eh, c'est peut-être pas fait encore. Hein. Allez, bisous. Oh non, c'est moche. Il t'enchaîne derrière, quoi. Voilà, ça va être compliqué, hein. Bah, je vais la tenter quand même. Oh, attends, la ville. Bon, écoute, je vais pas me poser de questions. Ils auront... Il y a combien de brèches? Une. Il y a deux brèches. La porte là, elle est encore en vie. Écoute, on va tenter de se poser à la porte, hein. On va essayer d'être solidaire. Qu'est-ce qu'il faut pas... Après là, ils vont se prendre des tirs détour de ce que je vois. La porte, elle tiendra. Oh la vache, le nombre de pertes qu'ils vont prendre sur le chemin, mais quelle erreur. Déjà une trentaine d'hommes en moins.
Allez. Voilà, c'est réglé. Non, bah c'est quand vous voulez, hein. Avec le support des tours, j'ai pas compris pourquoi il y a tenté, mais bon, bref. Allez, viens mourir. Je suis mort de rire là. Par contre, c'est un seigneur de guerre, attention. Là, ça va être une autre paire de manches. Voilà, on l'a eu avant en plus. Tiens. Parfait. On les a bien massacrés là, je suis satisfait. Et là, on va tout de suite refaire nos troupes. Alors, 26, 7, 29. Ouais, on va faire ces trois-là déjà qui ont bien souffert. Là, je suis plutôt satisfait perso. Nos défenses sont bien tenues. Bon, là, j'ai juste enchaîné le passage de tour, je vais pas m'embêter. On va affaiblir les Das jusqu'au bout. Alors, si tu veux, c'est le feu, toi. À ce carnage. Ok, mais je te demande, allez, 5000, 2500, allez. Allez, 5000. Sur la pêche, c'est qu'elle va pas durer. Très bien. Parfait. 5000, ça sera utile. On leur cherche où elle est cette foutue ville. C'est... J'ai pas un espion dans le coin. Ah, je dis, je vais en faire un là, tu vois. Et derrière, je vais faire des hacheurs. Et eux, je vais les disperser parce qu'ils me coûtent beaucoup d'argent. Ok, un espion d'As qui traîne. Alors, elle est où cette foutue ville? Derrière, je vais faire un petit qui ou deux en défense ici. Et là, j'ajoute un sixième piqué. Là, j'en ai combien? 5. Je vais rajouter un sixième aussi. Et je vais faire des une assemblée de guerriers là-bas. En vrai, 6 piqués en défense, c'est compliqué à prendre, quoi. S'ils sont bien synchro les uns des autres, ça peut être dangereux. Ah putain, c'est là. On cherchait, on a trouvé. Bon, un peu tard. Bon, lui. En vrai, lui, il va faire quoi? Il va attaquer ici, plus tard. Il va remonter vers là-bas. Après là, il pourra redescendre là. Et nous, on fera avec lui là et là, si tout va bien. Punaise, là on l'aura mis cher os. On va
Vas-y, faites qu'il fasse pas tomber la cité. Ça me paraît mal embarqué, mais bon. Évidemment, salopard là, il attaque. Ouais. On va essayer d'être opportuniste. Ah, il a des archers montés. Bon, il a pris cher, mais bon. Je vais tenter de le dégager. Voilà, casse-toi. Oh, comment ça se fait mon économie à la donne d'un coup, là, j'ai pas compris. Putain, quel traître le Briton, sans déconner. Bon, je vais tenter l'assaut, est-ce que ça suffira? Ok, ça va. Et là, c'est juste pour le principe. Parfait. Comme ça, on va... Oh, on va avoir une forge. Oh, génial. On va avoir des armes de qualité. Donc, on a réussi à dégager les DAS, logiquement. Comment ça, défaite imminente? Genre les Gaulois ils vont gagner, t'es sérieux le jeu? Alors les Gaulois. Attends. Bon, on est à 12. Eux ils sont à 11. Ouais, je sais, mais bon, normalement, on devrait pas gagner, je pense pas. Ah, ils l'ont pas embarqué, super. On va essayer de profiter de récupérer ça pour nous. Là, j'ai juste attendu de refaire le camp. Je vais faire quelques troupes, et je m'arrêterai là pour ce soir. Donc, demain aussi, je vais streamer, pour ceux que ça intéresse. Je continuerai la campagne, vu que j'ai posé mon lundi. Alors par contre là, toi, tu coûtes trop cher mon gars des eaux. Et je commence à reformer quelques piquiers, une ou deux cavaleries renforts en plus, ouais. Ou des piquiers. Oh, hacheur d'élite, c'est bien ça. J'ai combien de piquiers dans tout 7? Je vais en rajouter un huitième. Et je vais faire un mix de deux de chaque pour plus tard. Et on prend se mettre en route chez les sites pour les finir. Et surtout pour s'occuper de... Là, il n'y a pas grand-chose à faire. On va juste asservir. Parfait. Là, on est en position en Russie. C'est plutôt pas mal. Ça fait plaisir. Voilà. Ayez pitié. Attends, t'as encore envie, toi ? T'es pas battu. Ah, laisse-moi deviner. Je sais où il est. Je vais te laisser. Je crois savoir, il est là. Il est en... Je m'en doutais. Ah, par contre, il s'est mis bien avec les Gaulois, cet enfoiré. Il est là. Il est à... À Quincoum. Bon bah je vais aller chercher. Décidément, il est plein de ressources le DAS, ouais. On va essayer d'aller le détruire pour être sûr. Allez, retour du stack gaulois de l'infini là. Merde, j'ai pas le temps de réparer, c'est ça? Oh, j'ai oublié de réparer, fais chier. Bon, pas grave. Il y aura un peu d'action pour cette fin d'épisode, on va dire.
Aujourd'hui est un bon jour. Ils sont... Ok, il n'y a que deux entrées, deux sorties, très bien. On va être solidaire. Allez, venez. J'ai pas toute la journée, moi. Bon, par là, ça a complètement craqué. Stratégie aussi, hein. Comme ça tes adversaires ils dégagent rapidement. Ouais, c'est ça, rentre chez toi, au mieux. Allez, bisous. Évidemment. Ah, il jauge bien nos défenses, hein. Ouais. Puissions-nous parler de manière raisonnable. Ok, mais tu vas me donner 5000. Fin à bon, ce on va prendre les 2250. Ok, viens m'attaquer là. Ah là là. Fichu d'as. On va peut-être faire du piqué en défense là. Et attends, trieur, j'ai pas refait le truc. Oh, ils ont des épices d'élite là, ça vient d'en jeu par contre. Après, pour passer du piqué, je leur souhaite bien du plaisir. Alors, un quincoum en route. Bah, je vais vous laisser là. On s'occupera des DAS demain. On les terminera, on va essayer de tenir cette ville. Je pense qu'on peut la tenir. Bon. Eux, ils vont être chiants, les bretteurs, mais je pense qu'on peut les gérer, quoi. La cavalerie, si on la tue vite, le moral va flancher. On a un gouverneur, donc ça devrait aller, je pense. Enfin, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous, ciao ciao.